Get down on the ground. Tablet is up and running. Payday The Heist, c'est un jeu d'action coopératif qui sera distribué en téléchargement, qui met en scène des scènes d'attaque de convois blindés ou de banques ou ce genre de choses. Ça se joue à 4, c'est donc un jeu dans lequel on devra, en l'occurrence dans la version qu'on a pu essayer, attaquer une banque. Comme un bon braqueur, on devait s'infiltrer sans nos armes apparentes et sans notre masque. Et on peut se balader au début dans le niveau pour faire de la reconnaissance. En l'occurrence, là, on pouvait également trouver l'emplacement du directeur de la banque pour ensuite mettre notre masque, sortir notre flingue avec la touche dédiée pour menacer le directeur de la banque, le menotter, lui demander de nous filer son pass. Grâce à son pass, on pouvait accéder à une grille de sécurité sur laquelle il nous fallait déposer une espèce de grosse perceuse automatique. Pendant que cette perceuse faisait son travail, il fallait qu'on aille ensuite pacifier les cellules qui étaient dans le coin, en utilisant toujours une touche dédiée qui nous permet de leur hurler dessus pour leur dire de rester à terre. Entre-temps, on pouvait évidemment éliminer les gardes de sécurité qu'il y avait dans les environs jusqu'à l'arrivée de la police, qui va donc nous attaquer par vagues d'assaut avec des forces de SWAT, des mecs lourdement armés, des fumigènes, des types qui descendent du plafond et tout le team. Pendant ce temps-là, il faut surveiller notre objectif qui, en l'occurrence, là, était la grosse perceuse, parce qu'une fois qu'elle a ouvert la grille, on a encore d'autres choses à faire pour passer à travers le plafond du coffre. Ensuite, descendre dans le coffre, voler l'argent, la mettre dans le sac. Ensuite, poser du C4 sur les murs. Et c'est tout un tas d'objectifs secondaires comme ça qui vont se dérouler pendant qu'on est évidemment attaqué en continu par la police pour pouvoir mettre les voiles avec le fric, sachant qu'il y a quelques mécaniques de jeu intéressantes. Par exemple, lorsqu'un des voleurs de notre équipe se fait tuer, il est en fait attrapé par la police et il ne peut pas réapparaître sur la carte avant un bon moment, c'est au moins 5 minutes, sauf si on fait un échange d'otages. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt en fait de pacifier les civils pour pouvoir en relâcher un chez les flics qui nous rendent notre collègue. Donc Payday The Heist, comme je l'ai dit, c'est un jeu téléchargeable. Ça a l'air très fun, facile à prendre en main. Il y a un tas d'armes, c'est assez original. Je pense que ça a pas mal de potentiel.